Pas étonnant que il y ait des organisations de droits humains de grande portée qui montent au créneau pour dire que donc finalement donc nous sommes état barbare parce que nous pas qu'en plein 21e siècle pour autorité à exécuter monde en dehors de la loi. Parce que même pays qui gagne peine de mort là, eh bien, la peine de mort c'est la résultante d'un processus, hein? C'est la résultante d'un processus. OK? Et côté de peine de mort, tout, le législateur a décidé dans qui cas nous avons appliqué, dans qui cas nous n'avons pas appliqué. Et l'on n'a pas appliqué, quelle est donc la procédure à suivre pour aboutir à l'exécution? On n'a pas eu ça. Donc, à la lumière du droit, donc, il aurait dû être limogé et poursuivi par la justice. À la lumière du droit et du droit pur. À la lumière de la sociologie et de l'opinion publique, ou pas qu'à toucher Muscadet. Ou pas qu'à toucher Muscadet sans pas gain problème. Parce que le type est devenu célèbre, entre guillemets, en pile moun remen li, parce que moun yo aux abois avec bandit. OK? Moun yo aux abois avec bandit. Et moun nip, c'est des moun qui, mon petit gens dit conservateur, qui remet petit territoire, qui remet localité, qui fier de localité, même j'ai moun au cap. Moun au cap, le nek la levé la, li ben yel, met petit bout de chote de sou, li, ti sandal li nan pi, ti mayo, nek au cap toujours frais, chita en bagalril. Pas parler nek la de New York, pas parler nek la de Washington, pas parler nek la de d'autres constats de Montréal, nek la à l'aise dans le pays. Depuis nèg la gonti minimum pour le vivre. Donc nèg ça pas d'accord pour vagabond vienne troubler tranquillité zone li. OK? Ceci dit et la popularité du commissaire s'est étendue au niveau national. OK? Sou ta va fon référendum là, fon consultation. Référendum signifie consultation populaire. Sou ta va consulter moun dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Ou dit, est-ce que nous voulons, commissaire Muscadet, venir travailler dans la juridiction? Sous chaque 10 moun ont interrogé, moins certains, 9 tables dit oui, font-ils ban nous, monsieur? Parce que moun yo aux abois. Qui ça fait moun yo aux abois? C'est parce que l'institution qui est là pour protéger les citoyens. Yo. Et ça, qu'on ne peut pas parler de l'état de droit, non? Qui t'aime saluer, docteur Josué Pierre-Louis? Qui souhaite faire 26 ans sur ça. La modernisation du droit haïtien, un défi pour l'avenir, oui, c'est vrai. On en reviendra. Oui, alors, j'aime dire là, 10 moun, 9 moun sur 10, sur chaque 10 moun, 9 tables de oui, bonne muscade, pour qui ça? C'est parce que les institutions sont à genoux. Donc, institution qui est là pour protéger les citoyens. Si je prends l'institution judiciaire, ok? Si je prends l'Office de la protection du citoyen, bon, je vais attendre qu'il y ait une note au PC, non? J'ai l'impression au PC tiraillé. Au PC a regardé enjeu sociologique, opinion publique, là, etc. Donc, toucher Muscadet pour le créer, capable de créer, il y a un problème. La pabli est dans le droit, non? Bah dans le droit, non? Bah dans le droit, non? Parce que dans le droit, il faut nous obliger tout chez lui. Non? Sinon, dans le droit, il faut nous obliger tout chez lui. Mais comme société n'a pas une société normale, comme société n'a pas une société qui a fonctionné selon les normes, nous obligés de gagner considération sociologique, l'aspect opinion publique, là, que nous pas qu'à négliger dans la question. Donc, le gouvernement, l'État est entre. Les autorités sont entre l'enclume et le marteau. Ce que l'État doit faire à la lumière du droit, le renvoi du commissaire et le mettre à la disposition de la justice, alors, depuis le révoquer, il deviendrait vulnérable et poursuivable, si vous me permettez l'expression. Justement. Mais. Les n'ont pas de réalité. Alors. Donc, dans nos sociétés, alors, un peu le monde pourrait dire, waouh, quand le gouvernement, il y a quatre blancs, bandits a tué le monde, bandits a coupé tête le monde, bandits a violé les femmes,
bandits ont kidnappé les gens à longueur de journée. L'État n'a pas qu'à résoudre le problème Matissan, mais son commissaire cap travail que l'a évoqué. On aurait ça comme réaction, justement. Et après, seul par rapport à des rumeurs, laissant croire que le commissaire aurait été remercié, aurait été limogé, eh bien, ça suffit pour tendre toutes paroles à eux. Donc, ce n'est pas là nous besoin au gouvernement, et pas là nous besoin au gouvernement, etc., etc. Donc, à résoudre le problème Matissan, un an déjà que Moun Baka traversé, un an déjà, depuis presque quasi quotidiennement que Moun a mouru. Donc, c'est ça. Donc, une considération d'ordre juridique à travers système juridique, nous, à travers notre droit positif, qui est clair. OK? Ça crive là. Son assassinat lié, il y a eu préméditation parce qu'on t'a annoncé, on pourra le faire. On t'a demandé plus de dernières paroles et puis après elle mourit. Donc, et puis c'est d'autant plus grave que le fait par une autorité publique, une autorité publique. Et pas oublier que le commissaire du gouvernement, je t'ai dit déjà, le commissaire du gouvernement n'est pas une autorité de jugement. C'est une autorité de poursuite. En recevant le cas, il a trois comportements à adopter. Alors, yon nan yo, ou bien il classe sans suite si pas suffisamment de matière, ou bien il envoie le dossier au correctionnel si ça yon reproche moun nan t'assemblé un délit, ou il fait la saisine du cabinet d'instruction dans le cas d'un crime. Dans ce cas précis, le cabinet d'instruction serait incontournable. Maintenant, d'ailleurs, il y a des cas de délit que le cabinet d'instruction est intervenu tout. Dans les cas de délit complexe, l'instruction n'est pas obligatoire en matière de délit. Mais toujours qu'il y a une instruction, il y a des délits très complexes qui méritaient approfondissement. Et l'approfondissement se fait à partir de l'enquête du cabinet d'instruction. Bon, OK, passons. Ça, c'est pour les étudiants en droit. Maintenant, j'aime dire là, donc, nous avons un aspect légal qui est clair, qui dit ça doit être fait, et nous avons un aspect sociologique, un aspect opinion publique qui est capable de mettre l'État en difficulté sur le plan local, qui a fait autorité au plus décrier, et des deux côtés, le mal est infini. Hein? Donc, l'État entre l'enclume et le marteau dans le cadre de ce dossier. Quelle est ma position personnelle sur ce dossier? Napton dit nos positions. Moi, je n'ai pas une position, non? À part me sortir de nous, aspect légal, question, et aspect sociologique, question, et puis nous voulons une position. OK, et passons à autre chose. Alors, en nous font une vuelta, en nous font une vuelta, parce que ça qui vient arriver là, et. Ça qui vient arriver là, en fait, ça qui vient arriver là, c'est que. Alors, moi qui t'ai dossier ça, oui, moi qui t'ai dossier ça, hein, moi qui t'ai débat dans mes nous, moi font approche à la fois juridique et sociologique de la question. Moi font approche à la fois juridique et sociologique de la question. Mais, alors, nous t'es well, il y a quelques semaines, Haïti au devant sur la scène internationale à travers ses articles, ses reportages de certains médias influents, les médias occidentaux, si vous voulez, autour de la dette de l'indépendance, autour de la question de l'esclavage, etc., etc. Donc la France se trouve acculée, la France notamment, hein, se trouve acculée depuis quelque temps avec cette question de réparation-restitution qui refait surface. Je salue le professeur Sonnet Saint-Louis qui a produit un article très intéressant autour de la question. Alors, Jean-Bertrand Aristide qui avait initié cette question en 2002-2003, 2001-2002-2003, et dans l'opinion, alors monsieur paraît la vedette actuellement. Alors, c'est quoi la chose? C'est que, mais on a reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Mais
tout fait qui cause préjudice à autrui mérite réparation. Donc c'est un principe général de droit civil, pas vrai? Bon, de toute façon, avant de venir sous dossier ça, qui était me retourner sous dossier que je suis parlé. Et donc, je souhaite présenter l'approche juridique et l'approche sociologique de la question. Donc, le gouvernement, par rapport à ce dossier pour le moins sensible, se trouve entre l'enclume et le marteau. Commissaire Muscadin ferme à la barre et jusqu'à ce qu'on n'a pas là, il n'est ni révoqué ni transféré. Commissaire Muscadin. Nous, là, la bataille, on a frappé, on a continué de frapper, continué de bataille jour et nuit contre tout le monde qui a des âmes dans le qui vient dans la juridiction. Parce qu'il y a avec petit monsieur qui soit dit, il soit dit, Matissan, Gravin, qui a des âmes dans le qui qu'on a terrorisé et tué une population, et nous disons, et nous avons toujours dit, ni plan après ton cimetière pour eux. Qui ouvre le, qui ouvre le, tout le temps que nous comme commissaire gouvernement, je continue à croire que jour et nuit, sauf que la population ne doit pas attendre qu'à 10 derniers mois. Mais fais-moi confiance, même quand à moi-même, équipe PAMNA, équipe la police, SDPJ, fais-moi confiance à continuer à marcher sur les agrabats. D'accord, nous avons un district de gros bandits qui mourent et jouent, et c'est même qui sont passés à là. Expliquez-nous comment ça va. Et ils ont commencé à mourir. Et je ne sais pas, je dis à mourir. C'est la première fois. Et je suis capable de dire que la population, oui, je joue ça. Donc ça fait là-bas, les personnes disent oui. Non, je me fais. Parce que les gens ici, ils ne vous répondent pas. Donc ce n'est pas les gens seulement qui vous crient. Ce n'est pas chaque jour que les gens ont assez capables de tuer. Il faut que les gens connaissent les gens qui répondent avec frappe. Il faut que les gens connaissent les gens qui ont tué. Ce n'est pas celle-là qui a tué, qui a écrasé le pays. Donc, les gens qui ont tué, qui ont capables de tuer avec eux. D'accord, commissaire, nous connaissons que tous les mois, lundi, quand on peut écrire les coucous, il y a coucou du chêne. Il y a moyennant des lagos et plusieurs qui débarquent là depuis un dimanche soir qui ont été frappés. Ils ont débarqué, ils ont écrasé trois dans les gens. Et il y a deux qui ont échappé. Effectivement, venant lundi, nous avons dit DDS à Bakop, directeur départemental de la Bakop. Je suis bonne Bakop dans 4 heures du matin. Et puis, de vous une équipe de moi avec nous, mais dommage que nous-mêmes, qui nous arrivions avant de mourir, nous débarquons dans le cas là, nous venons petit ça, nous posons une question. Finalement, je finis par mourir. Il faut que je suis mort parce que je suis en train de dans le téléphone qu'il dit nous. Il dit non, faites confiance n'importe qui, gens, et la prendre sur nous parce que il est sur nous parce que il vient de venger Katafal. Donc, c'est pour ce que vous puissiez, M. Mourijo et M. Mouria, nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas dédier, nous ne pouvons pas dégager à la suite de personne. Il ne mourra pas, il ne mourra pas présent. Pas prêt, il ne mourra pas présent. C'est Muscadin qui est présent. Ok? Maintenant, je vous dis à la M. Agent de Dieu. Et tel que soit un nègre qui vient dans la situation, ça, fais-moi confiance, continue à mourir, même gens. Tout le monde qui est comme commissaire gouvernement, je ne peux pas faire back, je peux continuer à croire que nous avons moyen pour ça. Commissaire, nous connaissons que ISO, là, on voit ce que lui dit que depuis il y a autorité, on y a tout qui est innocent, depuis Bispo Matissan passé le premier Miyagouane, il y a quoi que. Matissan, et mon Miyagouane n'a pas de jeune de Gavassi, Matissan. Jamais. Mon Miyagouane n'a pas de jeune de Gavassi, mon Miyagouane n'a pas de jeune de Gavassi, c'est pas Thérèse qui est passé. Ok? Mon Miyagouane, moi, mon Nagrès, je ne suis pas de jeune de Gavassi, Matissan. Nous avons un an, il ne va pas passer Matissan. Nous avons que le ministère lui-même provoqué. Est-ce que. Et ça a été un secret avec le ministère là. Ça a été un secret pour moi-même. D'ailleurs, c'est triste pour me donner le ministère à convoquer pour toute la rigueur de la connaître. Donc, probablement, si le ministère convoqué pour la rigueur de la connaître, donc quand même, je ne vais pas définir le magasin. Mais le ministère va arriver. Et ça a été un secret pour moi-même avec le ministère là. Ça a été un secret, ok? D'accord. Bon, dis ça, ok, il y a quelqu'un qui dit que. Mais ça, il y a quoi faire. Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre? Non, pas ok. D'ailleurs, depuis après la mort catafale, forme jour, si je ne quitte pas, et après la mort fédérale, forme d'acquitter. Je ne pas peu négro. Négro relim, négro bonne pression, négro relim, vous voyez une vidéo pour moi, je dis, je ne pas prendre ma zame, c'est à mon chèque, je prends mon dieu, je m'attends. Je dis, je suis là, je suis là pour moi, je dis, pas rien à jouer. Je suis informé, je suis connu qui est négro, je dis, pas que ce négro, je mange négro. Et je me fais carrément manger négro. Voilà, et le commissaire Muscadin, on ne peut plus explicite, qui a tout revendiqué. Ok? Je ne peux pas faire commentaire personnel, puisque moi, je fais une analyse à la fois juridique et sociologique de la question,
yon qui tenir compte du droit et surtout du droit pur qui indique la voie à suivre et l'autre analyse qui aborde la question en termes de perception de l'opinion publique en termes sociologiques. OK. Alors, mes amis, moi campé là sur question ça. Et moi campé là sur question ça.